Léouane hospitalisée d'urgence, sa Jessica Tivona craque. La famille Garcia enchaîne les galères entre les grossesses compliquées et les problèmes de santé de leurs deux jeunes enfants. Rappelez-vous, des mois après être restée alitée, afin d'éviter la fausse couche ou le bébé prématuré. Jessica Tivona a dû faire face à de grosses complications quelques heures après avoir accouché de Mélone. Le petit garçon est né avec une atrésie de l'ésophage, c'est-à-dire une malformation du tube qui relie la bouche à l'estomac. Encore aujourd'hui, Mélone est surveillée médicalement de très près. D'ailleurs, en septembre dernier, le fils aîné de Jessica et Thibaut Garcia a été une nouvelle fois hospitalisé d'urgence. Mais cette fois, c'est l'état de santé de leur petite dernière qui inquiète beaucoup ses parents. Depuis quelques jours, Léouane présentait tous les symptômes d'une grippe. Ce week-end, elle avait déjà été conduite à l'hôpital après s'être étouffée. Une fois rentrée à la maison, Jessica Tivona, qui a annoncé arrêter la télé-réalité et attaquer le couple Camilla et Noré, était rassurée, car la fièvre de la petite blondinette avait baissé, afin de ne pas prendre le risque de contaminer les autres enfants. La Marseillaise était partie seulement avec Mélone au centre commercial. Hélas, l'état de santé de la fillette âgée seulement d'un an s'est rapidement dégradé. Très affaiblie, Léouane a été emmenée d'urgence à l'hôpital hier soir. Après plusieurs heures d'attente interminable, elles arrivent enfin à avoir une chambre. Durant cette pénible nuit, Jessica donne des nouvelles, je suis co. Entre les machines et Léouane qui tousse non-stop. C'est impossible de fermer l'œil. Je suis en craquage là. Des médecins rentrent toutes les 30 secondes et la réveillent. Ils allument toutes les lumières pour me poser les mêmes questions. C'est toujours pareil, je serre. Déjà épuisée par la situation et le manque de sommeil, Jessica Tivona va littéralement péter un câble sur Snapchat. Accusée par une internaute d'encombrer les hôpitaux pour rien, elle sort de ses gonds. Tu me fatigues. Et dire que je t'adorais Jess, mais là franchement, tu me fais pitié. Tu emmènes tes enfants à l'hôpital pour tout et n'importe quoi. Ce n'est pas étonnant qu'ils soient toujours malades. Écrit l'abonné. C'est quoi elle répond, elle est sous assistance respiratoire, grosse conne SSE. Je suis désolée d'avoir perdu mon sang-froid, mais quand les gens se permettent de dire que ce n'est qu'une grippe et qu'on en fait toujours trop. Point. Des fois, ça ne passe pas et tu dois t'occuper de tes enfants, prendre les bonnes décisions et consulter. Je ne suis pas venue pour rien, la preuve. Ça m'énerve lorsqu'on parle sur mes enfants. Quand on me critique moi. Sur la chirurgie, je m'en fous, mais quand on critique mon rôle de maman, ça me tend. Les vieilles mères parfaites. Je ne les supporte pas, avoue Jessica. Et les mésaventures ne sont pas près de s'arrêter pour les Garcia, puisqu'une échographie du cœur est prévue pour Mélone.